Comprendre la douleur est ce que l'on peut faire en 10 minutes. Chacun a fait l'expérience de la douleur. Mais sais-tu qu'il y a douleur et douleur? Il existe deux sortes totalement différentes de douleurs. On appelle l'une de ces douleurs douleur aiguë. Chacun de nous en a déjà fait l'expérience. Elle naît quand tu te blesses. Par exemple, parce que tu as marché sur un bout de verre, tu as un accident de vélo ou tu t'es frappé le pouce avec un marteau. Plus la blessure est importante, plus la douleur est grande. Le coup de poing d'un boxeur fait plus mal que la bourrade d'une copine. La douleur aiguë fait très mal au début, mais cette union peut pour disparaître ensuite quand la blessure guérit. La douleur aiguë est très importante pour notre vie. Elle a une fonction d'alarme. Elle nous dit « Attention, si tu marches sur un bout de verre, arrête-toi, sinon de la saleté peut pénétrer dans la plaie. Il faut mieux reposer ton pied. » L'autre douleur s'appelle douleur chronique. Était vraiment compliqué. On parle de douleur chronique, quand la douleur persiste pendant une longue période ou revient constamment. Tout le monde ne fait pas l'expérience de cette douleur chronique, cependant, elle est assez fréquente. Parmi 100 enfants ou jeunes, environ 5 ont des douleurs chroniques tellement fortes qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent rencontrer leurs amis aussi souvent qu'ils le souhaitent. Cela les rend très tristes. Ce qui est particulier et bizarre de cette douleur chronique, c'est que ton corps est en bonne santé. Il n'y a pas de blessures qui doivent guérir. Ou bien les problèmes sont si minimes qu'il ne peut expliquer ces douleurs fortes. Souvent, on ne remarque pas qu'une personne a des douleurs chroniques. Mais ces douleurs chroniques sont pourtant présentes. Car même si ces deux douleurs sont différentes, elles ont des particularités communes. Qu'il s'agisse de douleurs aiguës ou de douleurs chroniques, de maux de tête, de dents ou de ventre, en fin de compte, chaque douleur naît toujours et uniquement dans le cerveau. Sinon, tu ne t'en aperçois pas. Quand tu as des douleurs chroniques, elles sont bien réelles. Tu ne les imagines pas et tu dois être aidé. Comment et pourquoi naissent les douleurs chroniques? Ton cerveau connaît les douleurs chroniques comme une chanson. Tu as certainement déjà eu une chanson qui te trottait sans cesse dans la tête. Parfois, notre cerveau apprend des choses sans que nous le voulions ou même bien que nous ne les voulions pas. Incroyable, non? Tu connais certainement cela aussi. N'y a-t-il pas un groupe ou un chanteur que tu trouves horrible? Réfléchis. Est-ce qu'une de leurs, ces chansons, tu viens à l'esprit? En connais-tu la mélodie ou peut-être même l'air? Pourquoi tu t'en souviens? Tu trouves la chanson complètement bête et ton fait, tu voudrais l'oublier. Ton cerveau enregistre non seulement des choses positives et agréables, mais aussi des choses négatives. Apprendre est très lié aux sentiments et quand tu trouves quelque chose bête, eh bien, ton cerveau s'en rappelle. Imaginons que tu aies mal à la tête. En plus, que tu sois triste ou que quelqu'un t'énerve. C'est justement en ce moment que ton cerveau peut particulièrement bien faire l'expérience du mal de tête et toi, tu te rappelleras bien de ce mal de tête. La prochaine fois que tu seras triste ou que quelqu'un t'énervera, le mal de tête va peut-être réapparaître de plus en plus fort et pour enfin ne plus disparaître. Ton cerveau devient de plus en plus sensible aux douleurs. Un jour, il y aura des choses qui te feront mal, qui ne te faisaient pas mal avant.
comme par exemple un mouvement normal de ta jambe, ou une petite tension musculaire de la nuque, ou bien un léger grognement de ton estomac. Soudain, tout te fait mal. Quelquefois, les douleurs sont si fortes que tu crois que quelque chose ne va pas. Mais en fait, non. À la différence de la douleur aiguë, tu peux avoir des douleurs chroniques fortes sans que quelque chose soit cassé dans ton corps. Assez compliqué. Que peut-on faire contre cela? Le mieux, c'est d'oublier la douleur chronique, de l'effacer de ton cerveau et de ne plus y penser. Malheureusement, c'est plus vite dit que fait. La douleur est enregistrée dans ton cerveau. Ce n'est pas facile de l'en faire sortir et il n'existe pas de médicaments pour l'oublier. En général, ni opération, ni médicaments ne peuvent t'aider quand tu as des douleurs chroniques. Dans le cas de quelques douleurs seulement, par exemple la migraine, la prise de médicaments précis peut apporter du soulagement. Cependant, ton médecin doit t'indiquer très précisément comment les prendre. Dans le cas de douleurs qui réapparaissent constamment ou qui persistent, les médicaments ne sont pas une solution. Au contraire, ils sont plutôt dangereux. Mais alors, que faire quand on a des douleurs chroniques? Il y a trois choses à faire. Premièrement, les sentiments négatifs et le stress peuvent renforcer les douleurs. C'est pourquoi il est important de réduire ces sentiments et ce stress. Observe attentivement ce qui provoque ces sentiments, ce qui te stresse. Quelquefois, c'est l'école qui t'énerve. Ou bien, tu n'as plus assez de temps libre pour toi parce que tu as trop d'activités. Tes parents se disputent beaucoup. Ou tu es simplement triste et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Cela peut être aussi quelqu'un qui te touche alors que tu ne le désires pas. Ou bien on t'embête à l'école. Ou quelque chose d'autre dans ta vie qui ne marche pas comme tu veux. Souvent, on ne peut pas résoudre ce problème seul. Quelquefois, ce sont ton père ou ta mère, tes amis ou des parents éloignés, mais aussi le pédiatre, un professeur de confiance, le psychologue scolaire ou une personne de SES. Il existe beaucoup de possibilités pour trouver de l'aide. Deuxièmement, ton cerveau a appris la douleur, mais il peut aussi le désapprendre. L'idéal pour cela est quand ton cerveau est très occupé par d'autres choses qui te distraient de la douleur. Des trucs simples peuvent souvent t'aider. Par exemple, cherche si tu connais un musicien dont le nom commence par un A. Alors, tu en connais un? Bien. Alors, maintenant, cherche un musicien qui commence par un B. Puis, tu continues avec C, puis D, etc. Tu fais tout l'alphabet. On appelle cela la distraction ABC. Il y a plein de techniques semblables. Certaines ne sont utilisées que par les fakirs indiens quand ils veulent s'asseoir sur leur planche à clous. Il est difficile de les apprendre seuls. On a besoin de l'aide de thérapeutes de la douleur. Troisièmement, ne laisse pas les douleurs chroniques t'empêcher de réaliser toutes les choses que tu as prévues dans ta vie. Aussi bien les choses agréables que les choses fatigantes. Fais des activités sportives. Va à l'école ou à ta formation et essaye de réaliser tes objectifs. Profite des moments avec tes amis. Les douleurs aiguës diminuent quand on se repose pour une courte période. Mais les douleurs chroniques, malheureusement, continuent d'augmenter plus on se repose. Donc, sois actif, combat tes douleurs. Essayons de résumer tout cela en deux phrases. C'est le cerveau qui apprend la douleur chronique. Donc, s'allonger et se reposer ne sert à rien.
les meilleures stratégies pour venir à bout de la douleur chronique sont trouver ce problème. Désapprendre la douleur chronique en se distrayant et reprendre en main sa vie en redevenant actif. Si tu n'y arrives pas tout seul, demande de l'aide.